On s'est occupé du purgateur errant. On n'a eu aucun mal à le trouver. Moins ils sont nombreux, plus on peut les pister facilement. Il ne nous reste plus qu'à attendre ce soi-disant Harbert, maintenant. Au fait, Sancred, avec Rin, vous étiez parti explorer le Grand Vide, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez découvert? On a encore beaucoup à faire là-bas. Mais vu l'urgence de la situation, on a préféré faire une pause pour venir vous donner un coup de main. C'est important de pouvoir compter sur ses amis. On se sent plus fort quand on est tous réunis. Oui, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Si affrontement il y a, je nous préfère au complet. Tiens, la personne qui nous intéresse est arrivée. On dirait bien que c'est moi qui suis en retard cette fois. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé lors de notre première rencontre ? Mes compagnons et moi, on avait abattu le primordial qui t'était promis. Il s'appelait Ravana, je crois. Au fait, je ne t'ai pas encore remercié. Si j'ai pu revenir à la vie, c'est bien grâce à toi. Je t'en suis profondément reconnaissant. Ah oui, c'est tôt. C'était vraiment un type bien. Dommage qu'on ne se reverra jamais. Je vois. Ça veut dire que nous avons fini de jouer. Je n'ai jamais cru pouvoir vous tromper bien longtemps, de toute façon. Mon nom est Elidibus. Mais à vous qui avez visité Amoroth en compagnie d'Emmet Selk, je peux aussi dévoiler ma fonction. Je suis le médiateur du Concile des 14, instance représentante de l'humanité originelle. Dites-nous, quelles sont vos véritables intentions? En tant que médiateur, mon rôle est d'appliquer les décisions du Concile. Mais peu importe, vous pouvez me considérer comme tous les autres Asiens que vous avez croisés jusqu'à maintenant. Pendant longtemps, nous pensions que vous ne cherchiez qu'à détruire. Notre passage au fond de la tempête nous a donné tort. Vous aussi, vous combattez pour protéger les vôtres. Mais ne pensez-vous pas que nous pourrions nous asseoir autour de la même table et discuter rien qu'une fois? Avant sa mort, Emmet Selk a demandé à notre héroïne de ne jamais oublier que votre peuple avait existé. Et si, dans ses derniers moments, il avait essayé de te transmettre quelque chose à toi aussi? Emmet Selk. Quelle attitude indigne de toi. Ma position m'impose de réprouver la pensée qui était la tienne.
Sur la longue route qui mène à l'accomplissement de notre objectif final, le médiateur que je suis se doit de corriger les éléments déviants. Tout est Metzelk qu'il était, si sa dernière pensée allait à l'encontre de nos principes, je ne peux en aucun cas m'y associer. Regardez plutôt du côté de votre histoire d'êtres incomplets. Il y a 100 ans, vous ne vous êtes pas gêné pour interpréter les actes d'Arbert et de ses compagnons comme cela vous arrangeait. Et maintenant, il me suffit de 3 mots pour vous convaincre de balayer cette version d'un revers de main. Comme avec Emmett Selk, vous changez bien vite d'avis. Vous êtes toujours les mêmes. À force de vous tromper et d'oublier, la vérité finit toujours par vous échapper. Comment des humains défectueux tels que vous pourraient-ils se souvenir de nous? À quoi bon parlementer avec vous, tenter d'arriver à une entente? Vous êtes insignifiant, vous n'existez même pas. Accomplir mon devoir, c'est la seule chose qui compte. Attends! Voilà qui laisse à méditer. Au moins, nous avons acquis la certitude que nous avons affaire à Illidibus, et que son but est bien de réunifier les mondes. En revanche, tout ça ne nous explique pas pourquoi il provoque l'agitation en prêchant la véritable histoire des guerriers de la lumière. Que diriez-vous de retourner au fond de la tempête ? Il nous faudra recroiser la route des Lidibus, ça ne fait aucun doute. Mais en l'état, sommes-nous prêts à lui faire face de nouveau? Nous ignorons tout du monde que les Assiens cherchent à recréer. Et Lidibus lui-même reste un mystère pour nous. C'est pourquoi je pense que nous devrions essayer d'en savoir plus à son sujet. Nous rapprocher de lui, comme Emmett Selk l'a fait avec nous. À quoi bon retourner là-bas? La ville que nous avons visitée n'était qu'une illusion. Et je doute qu'il y ait plus à voir que ce que Emmett Selk nous a déjà montré. Certes, mais si Amon-Roth a bien existé, il en reste forcément des vestiges quelque part, non? Ils auraient beaucoup à nous apprendre. La tempête est immense, et je suis persuadée qu'on pourrait y trouver d'autres ruines semblables à celles que Léondo habite. Tu fais dans le comique de répétition, c'est ça? Très bien. Commençons par rendre visite aux Hondo pour leur demander s'ils savent quelque chose. Personne ne connaît mieux qu'eux ces fonds marins.